douleur dans sa tête, la plaie dans sa tête est guérie. La plaie dans sa tête est guérie. La plaie dans sa tête est guérie. Guérie! 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 Ok. Sur toute ta tête. Tu sens pas dans ta tête? Quand j'ai mis ma main, tu sens plus la douleur. C'est parti tout de suite. C'est complètement parti. C'est ça qui fait sortir mort là de ton nez. En fait, les esprits sont en train de partir. Ah! La plaie de la tête est en train de guérir. Donc, la plaie de la tête est en train de guérir. Je commande qu'elle se mouche, que tu passes. Et si vous voyez actuellement la mort, sort beaucoup. Guéris! Jésus te guérit aujourd'hui. Merci. Comme moi, j'ai fait accident depuis 5 ans. J'ai une plaie dans ma tête, sur le côté gauche. Donc, je passe partout pour aller prier, ça ne va pas. Je fais des médicaments, ça ne va pas. Je dépense les dépenses. Ma danse aussi dépense, ça ne va pas. Donc, elle a dit, ah, on va aller essayer. On va aller prier pour voir si tu fais être guéri. Mais après, je suis revenue. Et j'ai écrit mon sujet de prière, papa a dit, il a prié pour moi. Maintenant, quand il a fini de prier, les mal de tête que j'avais là, ça disparaît. Maintenant, tout ce qui était bouché dedans là-bas, tout a été bouché. Et tout a été derrière là-bas pour aller me libérer. Donc, je suis allée à la maison, j'ai pris lui, j'ai porté, et j'ai pris aussi pour mettre. J'ai pris aussi pour mettre dans mes larmes. Merci à Dieu. En tout cas, Dieu m'a dit. J'ai senti tout l'air. Je n'arrive pas à payer mes bébés. Maintenant, je peux pleurer. Je peux pleurer. J'ai eu des crampes. Ça fait au moins 4 mois. Les nuits, je n'arrive pas à dormir. Je suis le prophète aussi en direct. La semaine dernière, je l'ai vu. Il a fait un direct. Et souvent, je coupe les directs après. Et ce jour-là, un mercredi, j'ai pris mon téléphone, en écoutant le direct, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais dimanche, je vais aller au sucre le culte. Chose, quand j'ai écouté en dormant, je me suis réveillée, je n'ai pas senti de crampes cette nuit-là. Et depuis lors, je n'ai pas eu de crampes, mais mes deux doigts sur la tête sont braqués. Je ne peux pas les bouger comme ça. Et dimanche, quand je suis venue, il n'a pas prié. Il a mis l'huile dans ma paume. Il a dit applique. J'ai appliqué. Je suis allée faire des gestes. Je suis partie à la maison. J'ai dormi. Je n'ai pas senti de crampes. Le lendemain, je me réveille. Je fais mes deux voix. J'arrive à bouger comme ça. Quand je suis quitté ici, je suis à Poisson. Je viens d'un Poisson. J'ai pris l'huile. J'ai mon voisin qui a eu mal au cou. J'ai dit, ça c'est lui de toute possibilité. J'ai pris, j'ai frotté sur son cou. Je reviens 2 minutes après, le monsieur a retrouvé la santé. Donc je dis merci à l'éternel. Je bon, j'ai mon ex petite amie. Je suis avec lui. Donc, il est venu me donner son enfant, sa fille. Donc, j'ai élevé la petite jusqu'à elle a grandi à un certain âge. Elle a eu 4 ans, mais lui et moi, on s'est laissé. Donc, comme on s'est laissé, il dit, ah, comme tu as élevé l'enfant, mais si toi et moi, on n'est plus ensemble, l'enfant là, c'est pour toi, il faut prendre, c'est ton cadeau. Donc, il m'a donné l'enfant là, cadeau. Maintenant, une année, je devais voyager. Donc, lui, il a dit, ah, comme je dois bouger un peu, il faut venir prendre l'enfant. Prendre l'enfant, il envoie l'enfant au village. J'ai vu sa maman. La petite a tapé 1 an chez sa maman là-bas. Donc, elle revient l'année qui suit. La nuit, elle dit, maman, au village là-bas, la mémé, on mange viande là-bas. Hein. Mémé me donne viande, on mange. Et elle demande, viande, vous mangez ça à combien? Elle dit, on est 4. Et puis, ainsi, les gens, elle est décrite. Elle ne connaît pas les noms, mais elle est décrite actuellement. Et puis, j'ai dit, ça va passer. Je la prends, je l'envoie dans les églises là-bas. On dit, faut donner l'argent, faut faire comme ça. On va payer
l'eau pour la laver, hein, je donne l'argent, je me promène. Quand on dit à l'église là-bas, là, c'est moi ici devant. Hein. Donc, je me promène, je fais ça, mais tout cela, on fait ça, mais rien. C'est comme ça, ma grand-sœur qui est en Norvège, elle prie pour la petite aussi, tout, 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 tout. Et c'est elle maintenant qui m'a parlé du prophète. J'ai dit, ok, voilà comment c'est le dimanche passé, là, je suis arrivée ici. C'était mon premier culte. Donc, j'arrive ici, on a pris une, là. On est parti à la maison. Quand on arrive à la maison, il y a versé une, là, le lendemain. Ma fille, là, bébé va m'adonner, là. Elle dit qu'elle ne dort plus dans la maison, là-bas. Elle dit, maison, ça, là, je ne rentre plus. Pourquoi tu es fatiguée? J'ai dit, mais tu rentres pas en commun. Pourquoi? Elle dit, non, mais il fait chaud dedans, tu ne vois pas. J'ai dit, mais il fait chaud en commun. Elle dit, d'ailleurs, même toi, lui, tu n'es pas ma maman. Il faut les ramener chez ma maman. Petite fille, là, m'a scandalisée. Les voisins sont sortis. Elle dit, elle ne rentre pas. Encore, moi, j'ai versé une même là. J'ai oublié que c'est l'effet du monde, j'ai oublié. J'ai un ami maintenant qui est à 23h. Il joue le portail, la petite objet dans la cour. Il dit, mais ta fille t'a pas essayé. Ah, elle est dans la maison ici. Donc, c'est lui maintenant, il dit, mais attends. Quand tu as mis pas dans la maison, puis l'enfant n'est pas rentré. C'est maintenant, je dis, oh, j'ai oublié que j'avais mis une là. Il dit, attends, attends, c'est pas une que j'ai appelée hier. Yeah. Il dit, donne moi aussi un peu une là. J'ai dit, oui. Donc, moi, j'ai pris une là. J'ai mis sur le matelas la porte. Dans ma touche, mes habits, mon placard, j'ai mis une là partout, hein, toute la maison. C'est dans la cour, sur le banc, je n'ai pas mis là. C'est là-bas la petite allait se coucher. Elle dit où j'ai mis une là. Elle rentre pas. Il a soulevé la petite là. Elle se débat. On l'a jeté dans la maison là-bas, il a fermé la porte. Il a dit t'as pas dans le problème maintenant. J'ai pris une là, mais c'est ça sur elle. Elle dit j'ai pris ton argent, j'ai mis dans le monde des ténèbres. Laisse-moi. Donc j'ai enregistré sa vidéo sur mon téléphone. Donc quand elle parlait, parlait, tout ce qu'elle disait, il y a tout filmé. Il y a dit, ah, pourquoi ils vont dire, c'est mon père, c'est pas les mentir. Donc voilà, c'est que l'effet de lui l'a fait. Bonjour tout le monde. Bienvenue le nom de Dieu. Parce que quand on venait ici, mon mari n'a pas chié 3 mois. On a expliqué sa maladie, mais je n'ai pas dit que il n'a pas chié pour moi. Donc, je dis c'est la foi. Quand tu crois, Dieu fait les miracles. Et on a prié, on a dit seulement que c'est un chaud diabète. Puis on est passé. On est revenu semaine passée. Papa a dit ici, ceux qui ont des difficultés pour aller à la scène, je mets ça dans l'eau et on va les donner, vont boire. Arrivé là-bas, je dis comme papa a prié dimanche soir, lundi soir, j'ai mis un verre d'eau. Et c'est papa qui a prié dessus. Dieu fait un miracle pour que je vienne rendre un témoignage. Et j'ai mis. Quand j'ai donné mon mari, lundi soir, 4h du matin, il a chié jusqu'à ce que j'ai eu peur. Je suis allé me j'ai voulu pour venir à la maison. Je viens, il est dans ma vie. Je dis Dieu merci. Chier dans moi-même, j'ai eu peur, c'est bon. J'ai eu peur, et puis j'ai arrêté. Comme déjà il va à la scène, j'ai dit c'est bon. Et maman dit, mais maman, papa me fait quitte à la vie, il dit, il doit juste aider des souris. C'est le lendemain, là c'est bon. C'est Dieu de papa qui est en train d'agir sur nous.